Mais on n'a pas besoin de présentation à PowerPoint. On n'aura pas. On va avoir les présentations in vivo de nos intervenants. Bonjour encore une fois. En tout cas, les tests sont bons. Vous m'entendez bien à l'arrière? Oui. Oui, vous m'entendez bien en web diffusion? Oui. Je vous rappelle. Rapproche le micro. Encore? Donc, parfait. Nous ici à l'avant, on va parler, mais en fait, les tables rondes, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite beaucoup là, aujourd'hui, c'est que vous, en tant que participants, vous êtes présents. D'ailleurs, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Vous venez des quatre coins du Québec. On est très, très, très heureux de ça. On vous invite à venir à l'avant au micro. Du moment que vous avez une question, on sollicite votre participation. N'hésitez pas, faites-nous signe. En web diffusion aussi, je le répète, Lucie va être là pour nous retransmettre les questions. Alors, bienvenue. Bon, le colloque sur la conception et l'édition des livres numériques, des manuels en fait, manuels destinés à l'apprentissage en enseignement. C'est tout un univers, on peut l'aborder de beaucoup de façons, il y a plusieurs angles. La première table ronde, en fait, elle est concentrée sur l'édition. Donc, peut-être un peu les aspects un peu plus techniques, les formats, les outils, les logiciels, l'auto-édition. On vient d'avoir une question là-dessus. Donc, on va essayer de couvrir l'ensemble de ces questions-là. Aussi, il faut dire en passant, lors de votre inscription, vous avez fourni des attentes, en fait, vous nous avez transmis vos attentes par rapport au colloque. Et évidemment, on les a toutes lues, on en a tenu compte, on essaie de passer à travers, on essaie d'y répondre le plus possible dans le temps qui nous est imparti. Mais on vous invite aussi à la fin de la journée à nous transmettre votre évaluation de la journée également. Ce qui a été couvert, vos attentes, est-ce que ça a été répondu, tout ça. Donc, on vous invite aussi à faire cette petite évaluation de la journée. Donc, sans plus tarder, je vous présente les invités. On va commencer par la première au bout là-bas, Chantal Collin, spécialiste en design d'édition pédagogique à la TELUC depuis une quinzaine d'années. Chantal Collin cumule pas moins de 25 ans d'expérience presque exclusivement dans le domaine de l'édition. Elle a travaillé entre autres au studio spécialisé dans les manuels scolaires Many Pens Design à Toronto, puis au magazine L'Actualité à Montréal. Elle a connu plusieurs facettes de l'évolution du design d'édition. Le papier, à l'époque de la table à dessin, nous dit-on. L'arrivée des ordinateurs, du multimédia, du web, de l'ergonomie, de l'accessibilité, autre question importante, et plus récemment, du livre numérique. En 2013, elle a participé à la réalisation de manuels de cours numériques portant sur la santé mentale. Voilà. Ensuite, à sa droite, on a Ronnie Martin, bonjour. Alors, Monsieur Martin, diplômé en lettres et langues de l'Université de Sherbrooke, puis en informatique à l'Université Laval, Ronnie Martin travaillait comme programmeur, chargé de projet et directeur des technologies numériques chez Interscript. Interscript qui est une maison d'édition. C'est une maison de composition. Donc, on fait affaire avec les éditeurs pour justement mettre en page ou réaliser les livres. À la fois papier et numérique? Oui. C'est ça. Voilà. D'accord. À sa droite, Mathieu Place, designer graphique. Excusez. Et enseignant depuis 10 ans. Mathieu Place créa en 2009 le Studio P des librairies Pantoute, un lieu de diffusion et d'expérimentation dans le domaine de littérature et des technologies. En 2010, il publie le premier livre québécois sur iBookstore. Elle développe une expertise en design de livres numériques. Depuis, il a offert des formations professionnelles en édition numérique pour les professeurs de graphisme au collégial et pour les étudiants des cégeps. Embauché comme analyste aux presses au siège social de l'UQ, il rédige en 2012 « Comment publier un livre numérique » qui est un ouvrage de référence sur la création et la distribution numérique. Donc, il travaille aujourd'hui aux presses de l'Université du Québec où il développe et bâtit des livres numériques. Et finalement, Madame Bianca Drapeau,
Titulaire d'une maîtrise en administration de l'Université de Sherbrooke, Bianca Drapeau a toujours été attirée par les livres. Après un passage en librairie, puis aux éditions Sylvain Harvey, elle a dirigé le service de marketing des presses de l'Université du Québec de 2002 à 2004 et de 2006 à 2013. Depuis 2004, elle œuvre de plein pied dans l'univers du livre numérique. Madame Drapeau s'est impliquée au sein de l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, l'Association des presses universitaires canadiennes, la CUP, et la Société de gestion de la Banque de titres de langue française, la BTLF. Elle donne également, depuis 2010, le cours édition numérique au campus de Longueuil à l'Université de Sherbrooke. Et présentement, elle est chef de marketing des communications chez DeMarc, une entreprise spécialisée dans la distribution de livres numériques. Alors voilà pour nos intervenants, tous du milieu de l'édition ou de la distribution des livres numériques. Bon, nous avions eu une belle présentation de M. Hutchin qui vient nous faire le topo du livre, de l'histoire du livre, du papyrus, en passant par les rouleaux et tout ça. Maintenant, nous arrivons dans l'ère numérique. Et le numérique nous offre plein de possibilités. Quand on parle de manuel numérique, bon, évidemment, c'est un livre à la base. En premier lieu, c'est un livre numérique. J'aimerais ça, Bianca Drapeau, si vous pouviez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, à quel format ça prend. Parce qu'on pense des fois à des sites web, on pense à des applications, on pense à des cours autoportants de cours. Qu'est-ce que c'est exactement le manuel numérique? Bien, en fait, ça peut être plusieurs choses, mais dans le cadre du projet qui avait été développé avec le FODAR et quand on a un peu tenté de baliser ce qu'on voulait faire dans le cadre du projet, on s'était dit qu'on resterait dans quelque chose qui met en forme un contenu pédagogique sous une forme qui est finie d'une certaine manière. Donc, on n'allait pas vers le site web ou les cours autoportants, mais on essayait de rester le plus possible de la définition qu'on a vue du livre en tant que tel. Mais présentement, oui, si on prend le livre numérique au sens large, ça peut être à la fois quelque chose qui ressemble de très, très près à ce qu'on a en livre papier, mais sous une forme dématérialisée, mais ça pourrait être aussi une application, un logiciel, un site web, etc. Est-ce qu'il y a des formats principaux là, qu'on utilise, ben, peut-être aux presses de l'Université du Québec en ce moment? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu l'aperçu de ce qui est utilisé? Habituellement, quand on parle d'un livre numérique, il y a plusieurs formats là, qui reviennent principalement. Je dirais qu'il y a trois formats principaux. On parle du PDF, qui est en fait le format qui était destiné à l'imprimer à l'époque, mais qu'on a augmenté. Là, depuis les années 80, où le PDF était utilisé pour l'imprimerie, bien, on a ajouté toutes sortes de bidules dans le PDF. Là. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des éléments interactifs, des vidéos. Le PDF peut être lu sur des tablettes, peut être utilisé sur des ordinateurs. Alors, le PDF a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui, et puis on le considère comme un des livres numériques. L'autre livre numérique principal qu'on voit sur le marché, c'est le fameux EPUB. Alors, par exemple, quand vous allez sur le iBookstore de Apple, bien, c'est souvent des EPUB que vous allez pouvoir acheter là. Un EPUB, c'est un livre qui, en fait, c'est un texte qui va couler dans l'écran, dépendamment du format de l'écran. Alors, ça veut dire que si vous avez une tablette qui est grosse comme ça, bien, le texte va s'adapter à la tablette, puis il va prendre tout l'espace qui est présenté à lui. Si vous avez un petit iPhone avec un écran beaucoup plus petit, bien, le même texte va s'adapter à l'écran du iPhone, et puis là, ça va devenir une autre présentation. Alors, c'est vraiment un texte qui coule là, selon les formats d'écran. Dernier que je vois beaucoup, là, c'est une application là, vraiment faite exprès pour le iPad, là, par exemple. Là, vous pouvez acheter vraiment une application comme on achète une application sur sur iPad. Là, par exemple, on va chercher l'application Facebook, ou on va chercher l'application un jeu vidéo. Bon, vous avez le petit icône, puis bon, vous entrez dans l'icône, puis vous avez une présentation, un logiciel. Mais là, on s'approche vraiment plus du logiciel en tant que tel. C'est plus de développement, mais ça donne des choses qui sont
peut-être plus interactive là, dans certains cas. Alors, les trois solutions principales, ben, c'est ont chacun leur qualité, leurs défauts au niveau de la conception et puis de la production, puis au niveau de la distribution et puis de l'utilisation là, par après. Là. Alors, moi, c'est ce que je vois là, comme principaux formats. Ouais. Monsieur Martin, aussi, vous, dans l'industrie, ou ce que vous voyez, vous, chez Interscript, ça ressemble un peu à ce que Mathieu... Oui, c'est exactement ça. Nous, je dirais principalement, actuellement, le gros du marché, la plupart des gens vont partir du livre papier et ensuite faire une conversion vers un format numérique. Donc, ce qu'on voit principalement, c'est naturellement le e-pub puis le PDF. Je dirais le PDF en grosse majorité pour ce qui est du manuel numérique, étant donné que c'est le type de conversion qui a un moindre coût pour la plupart des gens. On n'a pas besoin de déconstruire la mise en page. Tout ce qui a été fait déjà au départ pour le papier reste là. Il suffit juste de rajouter un peu d'interactivité dessus. C'est plus rare. On commence à en avoir maintenant, par contre, où on part dès le début du projet pour faire un manuel numérique en tant que tel. Je dirais que ça... Je commence à en voir cette année. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt une déconstruction. Pas une déconstruction, mais une bonification du livre qui existe déjà. Si on part, comme vous le dites, si on part de zéro pour construire directement un manuel en numérique, peut-être, Mme Colin, pourriez-vous nous expliquer un peu la démarche, finalement, les étapes, les différentes étapes qu'on doit, à travers lesquelles on doit passer pour arriver à un résultat là, qui se tient ultimement, mais à partir de rien, il n'y a pas de volume papier, là. Bien, mon expérience, j'en ai probablement pas mal moins que le reste de l'équipe présente là, mais on est parti effectivement d'un projet où on n'avait pas, il n'y avait pas le volume avant. Il y avait, le professeur voulait un e-pub au départ, donc on n'a pas eu à souci de créer le volume avant. Mais les différences sont... Il y en a quand même pas mal comparé au papier, c'est certain, à la réalisation du papier. Au départ, comme on disait, c'est le support qui fait que du côté qui me concerne, le design, puis qui concerne tout le monde aussi, mais dans mon travail, la mise en page prend désormais comme beaucoup moins de place quand on fait un e-pub parce qu'on n'a plus de contrôle vraiment sur ce qui va être présenté. L'utilisateur peut regarder à la verticale, à l'horizontale, choisir la fente, grossir, rapetisser. Donc, le contrôle du produit final est moins dans notre camp. Et puis, on a parlé d'accessibilité. Ça, c'est quelque chose aussi qui rentre en ligne de compte. On n'avait pas souci de ça vraiment quand on faisait un volume imprimé. Excusez-moi, vous demanderez de parler plus fort. Plus fort, peut-être, oui. Vous approcher le micro. Merci. Et donc, il y a ça. Et il y a aussi, dans les étapes de travail, des nouveaux joueurs. En tout cas, de la façon qu'on le fait, nous, on a essayé d'aller un petit peu plus loin que ce que le IPE pouvait nous permettre. On a voulu intégrer quelques images, mettre un peu de couleur. Et donc là, on a eu un intégrateur qui est venu nous aider. Mais dans le processus, comment on le fait, c'est que le texte nous est arrivé un peu à la même façon qu'un volume imprimé, sauf que dès le départ, le concepteur savait qu'il faisait un e-pub, c'était sa demande. Donc, il a créé sa présentation, son texte, c'est en sachant ça, parce que ça nous limite beaucoup, pas juste au niveau du design, mais aussi au niveau de la... des styles de présentation. C'est-à-dire qu'on a accès à seulement quelques niveaux de titres, par exemple, un style pour le texte courant et un style pour les énumérations. C'est tout. Alors, on ne peut pas dire, ben, moi, je veux une mise en page éclatée, des toutes sortes de... Fait que c'est assez restreint, ce niveau-là, mais le texte nous avait été présenté comme ça, avait été créé comme ça, donc c'était plus facile déjà au départ d'arriver avec un e-pub. Ensuite, on a... Ben, le processus se ressemble un peu, on donnait ça en correction de montage. Là où, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, nous, notre réflexion nous a amené à passer deux fois en correction de montage parce qu'on avait à deux moments dans le processus deux contenus différents. Parce que
après avoir fait la mise en page, on envoie ça en correction de montage, ça nous revient, on génère un e-pub. Là, on fait faire quelques, c'est là que l'intégrateur embarque, on fait faire quelques altérations. On voulait, bon, justement, de la couleur, insérer des images. On a eu besoin de faire corriger des choses qui étaient tout simples, hein, juste aligner du texte dans une énumération. On avait des trucs d'escalier, tout ça. Donc, l'intégrateur venait nous aider. Et là, puisqu'il y a un e-pub qui a été généré et un intégrateur qui a joué dedans, bien, on y retourne en correction de montage parce qu'on ne voulait pas conclure que tout était... OK. Fait que je ne sais pas si c'est comme ça que vous procédez chez vous. Bien, en fait, au peu que ce que j'ai vu beaucoup, c'est qu'on faisait de la sous-traitance là, avec Interscript là, pour faire la conversion du livre en EPUB. Je ne sais pas si Bianca, tu étais peut-être plus à même de faire le suivi là, par rapport à ça, mais c'était vraiment... prenait nos livres de papier, on arrivait avec le PDF qu'on avait envoyé à l'imprimeur, on envoyait ce PDF-là chez Interscript, et puis bon, eux, ils ont des procédés informatiques là, qui leur permettent de transférer le PDF qui avait été envoyé à l'imprimeur en EPUB là, par la suite. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est automatique dans votre procédé, mais il y a une partie aussi qui se fait par des designers là, au niveau des images et la mise en page. Là. Alors, il n'y a pas vraiment de transfert là, automatisé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là, mais... Bien, en fait, c'est qu'on ne peut pas... on pensait que lorsqu'on générait le e-pub, on ne pouvait pas conclure que tout était correct. On passait une deuxième fois. Ça, c'est une différence quand même quand on évalue. C'est sûr que ce n'est pas des corrections qui sont majeures parce que, encore une fois, dû au support, le travail de tous les intervenants est un peu changé. Ceux qui font la correction de montage ne regardent pas les coupures de mots, ne regardent pas la pagination, ne regardent pas plein de facteurs qui ne sont plus là. On ne peut s'occuper de ça. Ça change. Mais c'est vrai qu'une fois que le livre papier ou en PDF devient un EPUB, ça devient vraiment une autre bébite. Ça devient vraiment autre chose complètement. C'est-à-dire que c'est ça, les pages peuvent changer selon la grosseur du caractère qui a été choisi par l'usager. Et puis selon sa tablette. Alors c'est sûr que je trouve ça intéressant d'avoir une deuxième correction par la suite là, pour pouvoir voir une fois que le texte a été mis en page en EPUB, à quoi ça ressemble et puis voir quel genre de correction peut être apportée là, rendue à ce moment-là parce que ça devient une autre chose. Là. C'est un autre format vraiment différent. Mais en fait, si je peux faire juste un commentaire, si on part de ce que Richard tout à l'heure parlait de l'histoire du livre, puis on regarde maintenant ce qu'on peut faire dans les procédés, ce que ça apporte, c'est que plus on amène de technologies et de choses qu'on peut faire, plus on a de fortes attentes comme auteur. Donc, on veut absolument que tout soit parfait, que tout soit aligné. On reçoit le texte, on se dit « Ah, c'est vrai, j'aurais pu rajouter ça, j'aurais pu mettre de l'audio, j'aurais pu mettre autre chose ». Donc, ça apporte dans l'édition de plus en plus le désir que tout soit parfait, puis d'ajouter des choses, puis de ne pas voir de coquilles, etc. Et en même temps, ça fait peut-être travailler beaucoup, beaucoup sur les aspects technologiques au détriment parfois du contenu. Puis c'est ce qu'on va parler peut-être un peu aujourd'hui du fait que l'importance, quand on fait un manuel de cours, qu'il soit numérique ou non, il faut toujours revenir au contenu, ce qu'on met à l'intérieur. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça apporte quelque chose au niveau pédagogique? Et oui, dans le manuel numérique et dans la fabrication des livres papier aussi aujourd'hui, on peut aller très loin puis fignoler et apporter des corrections jusqu'à la dernière minute. Mais jamais, il faut que ce soit jamais au détriment du contenu de ce que vous allez mettre à l'intérieur de ce manuel-là. Le reste, en fait, est procédé technologique qui va toujours s'améliorer et qui n'a pas de fin, selon moi. On a une question en web diffusion. Oui, j'ai une question pour Chantal et pour Mathieu par rapport au logiciel. Donc, une question technique. Quel logiciel vous utilisez pour créer les EPUB? En fait, c'est sûr que c'est les logiciels de Adobe là, qui sont vraiment la norme là, pour le graphisme. Là. Alors, moi, j'essaie de rester dans...
dans tout ce qui est Adobe, là, parce que pour faire un livre de papier, ben, habituellement, c'est InDesign de Adobe qui est utilisé. Vraiment un livre, des logiciels de mise en page et c'est non ça. De traitement de texte. Exactement. C'est vraiment des logiciels de mise en page. On part du Word, du document Word, et puis ensuite de ça, bon, il y a toutes sortes d'étapes de correction qui sont apportées au Word. Mais ensuite de ça, on prend le texte et puis on le met en page dans InDesign. Et puis InDesign, justement, depuis quelques années, a bonifié son logiciel et ça permet de faire des EPUB, des PDF interactifs et puis aussi des espèces d'applications, là, ils appellent ça Digital Publishing Suite, qui est l'autre format dont je parlais tout à l'heure. Alors, le logiciel principal, je dirais que c'est InDesign et puis d'essayer de rester là-dedans. C'est sûr qu'avec le EPUB, puisque c'est... en fait, un EPUB, c'est beaucoup... c'est semblable à une page web. C'est-à-dire que c'est du langage web qui est, en fait, dans une espèce de petite coquille. Là. C'est des pages web qui sont liées ensemble dans un EPUB, dans un format compressé. Alors, on reste dans le langage web. Alors, souvent, une fois qu'on a fait le EPUB dans InDesign, ben, ça va être important et utile d'aller dans un logiciel de traitement de pages web et puis de jouer dans le code. Parce que InDesign va pouvoir faire le EPUB, mais c'est jamais parfait. Là. On dirait que c'est nouveau, c'est pas encore au point. Alors, il faut faire un petit peu de taponnage après ça dans du logiciel de HTML pour pouvoir régler les problèmes. Là. Alors, je dirais InDesign, puis peut-être un petit peu de code là, dans le code du EPUB. Là. Est-ce que vous entendez bien en arrière? OK, bon. D'accord, donc je vous inviterai peut-être à parler un peu plus fort. Ah, OK. Si vous voulez vous amuser vous-même à créer des EPUB ou vous avez des notes de cours ou des choses que vous aimeriez mettre sans nécessairement passer par des étapes d'édition, un logiciel gratuit qui a été développé, entre autres, en collaboration avec Google qui s'appelle Sigil, S-I-G-I-L. Donc, vous pouvez télécharger, vous pouvez importer là-dedans quelque chose que vous avez fait dans Word, par exemple, puis voir un petit peu ce que ça donne, vous amuser à jouer avec le code. Des fois, ça peut être intéressant. Vous avez des notes que vous voulez lire sur votre tablette iPad, par exemple, que vous voulez apporter puis que vous ne voulez pas mettre dans Word. Ça peut être des fois le fun juste de le transférer en EPUB pour avoir une meilleure lecture. Oui, madame. Juste à vous avancer un petit peu, s'il vous plaît. Vous parlez de transfert. Est-ce que c'est facile si mes étudiants travaillent avec... C'est pas assez fort pour les gens? D'accord. Est-ce qu'il est facile de passer d'un logiciel... Parce que moi, j'ai Mac, mes étudiants ont Mac. Quelquefois, ils ont d'autres types d'ordinateurs et des tablettes. Est-ce qu'on peut facilement passer d'un à l'autre via Moodle ou... Première question. Vous voulez dire, par exemple, vous avez un livre numérique, puis vous voudriez le lire sur… soit Mac pour mes étudiants ou soit un autre… Oui, ben habituellement, on peut lire sur pas mal tous les deux plateformes, là, PC et Mac. Il y a quelques exceptions. Alors, par exemple, si vous faites un livre à partir de iBooks Author, qui est un logiciel pour pouvoir faire des livres là, qui a été produit par Apple. Bon, là, c'est sûr qu'on ne peut pas lire sur PC. Là. Mais à part ça, je dirais EPUB, on peut lire sur PC et sur Mac. Okay. Si vous utilisez Google Readium, alors ça va être possible de lire sur les deux plateformes. PDF, c'est sûr que là, c'est compatible à tout. Là. C'est justement les projets qu'on a fait jusqu'ici, là, c'est la raison principale pour qu'on est allé avec le PDF, c'est que c'est compatible avec tout. Puis là, dans un cadre d'école, d'université, ben on veut que tous les étudiants puissent y avoir accès sans discrimination. Alors, c'était le gros avantage du PDF. Alors, c'est sûr que lui, on peut le lire sur tout. Là. OK, mais pas les deux autres. EPUB, on peut aussi. C'est un format qui est fait pour les tablettes et puis pour les téléphones intelligents, là, iPhone, etc. Alors, c'est vraiment adapté à ça. On peut quand même le lire sur des ordinateurs en utilisant... Google Readium, qui est comme okay. En fait, c'est un navigateur web dans lequel on peut lire des EPUB. Puis bon, les applications, mais là, ça dépend des applications. Je peux ajouter dans, dans,
si je peux ajouter, quand on a, dans le cas de notre projet, la professeure qui voulait un EPUB a demandé qu'un EPUB seulement. Et elle avait une tablette Kindle. On s'est dit, bon, ben ça serait peut-être intéressant qu'elle puisse traîner elle aussi son livre avec elle. Donc, on y a créé un point Mobi. Donc là, on avait deux formats à générer. Point Mobi, c'est ce que la Kindle lit. C'est en noir et blanc. Donc, quand on parlait d'accessibilité tantôt, elle s'assure que qu'est-ce qu'on avait fait avec la couleur donnait des teintes de noir. J'étais allée une formation dernièrement, puis moi, le professeur, il disait qu'il faisait tout en noir et blanc. Lui, il faisait toutes ses pubs, il les générait juste en noir et blanc. On trouvait ça un peu plate. Nous, les designers, mais c'est ça. Parce que, donc, puis pour terminer, on s'est dit, bon, OK, là, c'est sur un site, elle a un cours, un site de cours, mais son volume n'est pas sur, son manuel n'est pas sur sur le site. Fait qu'on lui a créé un PDF pour qu'elle puisse. Donc là, on se disait, ben là, elle touche, là. Elle touche à tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est ça, ça peut se lire sur. Le EPUB peut se lire sur l'ordinateur, mais sur n'importe quelle des plateformes. Mais des fois, il peut y avoir aussi des changements. Même s'il n'y a pas une grande marge de manœuvre pour le design, il peut quand même y avoir des changements dans la présentation. Si je peux ajouter une chose, habituellement, que ce soit un PDF ou un EPUB, ça va pouvoir se lire sans problème sur n'importe quelle plateforme, Mac, PC, tablette. Je dirais que ce qui est. Plus on augmente le niveau de complexité du produit. Donc, si on veut ajouter des mises en page un peu plus étoffées, si on veut ajouter des effets, si on veut ajouter certains types d'hyperliens dessus, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des différences sur les différentes plateformes. Mais encore là, pas nécessairement les différentes plateformes, ce qui a vraiment plus une importance, tant qu'à moi, c'est le lecteur qui est utilisé. Par exemple, pour le PDF, le comportement peut être différent. Le PDF va fonctionner autant sur Mac, sur PC et sur la tablette. Par contre, si on utilise Acrobat Reader ou si on utilise le lecteur qui vient sur un Macintosh ou un autre type de lecteur sur les tablettes, il en existe différentes formes. Certaines fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner. Donc, à la base, quand on conçoit un manuel numérique, si on est capable, si on a la possibilité de déjà établir au départ dans quel environnement ça va être utilisé, puis si on a la chance de pouvoir dire aux gens qui vont l'utiliser, ben on préfère que vous utilisiez tel format, ça serait préférable. Si on n'a pas la chance de le faire à ce moment-là, faut essayer. La plupart du temps, il va falloir essayer d'abaisser un petit peu soit la mise en page puis les fonctionnalités qu'on a dedans pour aller au plus petit dénominateur commun des différents lecteurs. Ça vous avance, s'il vous plaît? Juste en attendant, j'ajouterais, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, je me demandais si on ne pouvait pas, j'irais jusqu'à faire une pas une mise en garde, mais une proposition de lecture à ceux qui utilisent le EPUB qu'on a créé, par exemple, lui dire, ben moi, je le placerais, je l'ai verticalement, le texte sur votre barre de défilement environ là, pour qu'il soit telle grosseur, puis que ça se présente bien. Mais ça, c'est les préférences des gens encore, tu sais. Ouais. Mais j'aimerais. C'est un des défauts des EPUB par rapport au design graphique. Là. C'est un peu frustrant des fois, c'est que les lecteurs peuvent choisir la police de caractère, la couleur, la grosseur, etc. Puis ben des fois, c'est pas... La justification. Les césures aussi. C'est ça. Puis, tu sais, le métier de concepteur graphique, designer graphique, c'est de justement faire ces choix-là. C'est comme ça qu'on a appris notre métier, c'est d'avoir... De prendre les choix par rapport à la justification, grosseur de caractère, puis bon, tous ces éléments-là. On dirait que là, on doit les abandonner, puis c'est le lecteur qui doit prendre les décisions. Bien, c'est tant mieux pour le lecteur qui peut justement adapter ça à son goût, mais là, il peut y avoir des conséquences. Par exemple, la justification, si on a seté notre tablette à avoir une justification obligatoire, bien, les premières fois, je me disais, pourquoi il y a des veuves partout, des gros trous dans les titres, il y a trois mots étirés sur une ligne, ça de longue, c'est pas intéressant. Donc, il y a beaucoup de restrictions. Dans le cas du EPUB, là, c'est ça, le travail, l'input du designer graphique là, est vraiment minimal. Là, c'est ça. OK.
Okay. Vous avez parlé de livres électroniques, finalement, qui se rapprochent d'un site web. Puis, le problème qu'on a avec les sites web, c'est l'hyperespace. Hein. Les étudiants, c'est difficile pour eux de faire un apprentissage en profondeur quand ils ne savent plus où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, il y a cet élément-là à contrôler. Et vous parlez aussi du support qui est super important. Donc, vous parlez d'un iPod, de l'ordinateur et du Kindle, par exemple. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que l'étudiant, pour faire un bon apprentissage, il faut qu'il soit capable de souligner, d'annoter. Donc, il ne peut pas faire ça sur son ordinateur, à ce que je pense. Et je sais qu'il peut le faire sur le Kindle. Donc, c'est ma question. Bien, en fait, ça reprend un peu ce que René disait tantôt. Il y a le format du livre qu'on va décider, donc PDF, EPUB, MOBI, etc. Mais les fonctions de soulignement, etc., ils ne sont pas dans le format du livre. Ils sont dans l'application de lecture que vous décidez d'utiliser sur votre appareil. Donc, par exemple, sur le iPad, vous ouvrez le PDF dans le logiciel de base de votre iPad, qui est le fameux iBook. Si vous ouvrez votre PDF là-dedans, vous avez peu ou pas d'outils. Par contre, si vous avez installé une application comme Bluefire, par exemple, vous allez avoir accès à une palette d'outils disponibles pour souligner, prendre des notes, etc. Même chose avec le format EPUB sur d'autres appareils, sur votre ordinateur, etc. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, il faut peut-être, comme professeur, comme enseignant, déjà faire des tests avec notre livre, puis proposer aux étudiants, dire, ben si vous voulez faire le meilleur apprentissage possible, moi, je vous suggère d'utiliser, par exemple, tel outil sur votre appareil de lecture, pardon, pour que ce soit le plus facile. Par contre, les gens qui ont des appareils de lecture, comme les iPads, etc., s'ils font beaucoup de lecture avec, finissent par découvrir un outil avec lequel ils sont plus à l'aise aussi pour prendre des notes, souligner, etc. Donc, avec le temps, c'est sûr que c'est quand même le iPad, ça fait quoi, 2 ou 3 ans que les gens en ont. Plus ça va aller, plus les gens vont devenir habitués, puis ils vont trouver les outils qui sont intéressants pour eux. Je pense que ça va devenir peut-être une question moins importante, mais pour le moment, oui, il faut un peu baliser. Un exemple aussi classique, c'est le Adobe Reader ou le Digital Editions qui offre ces outils d'annotation, de surlignement, je pense, en web diffusion. Oui, on a une question. Il y a quelqu'un qui demande pour la référence. Lorsqu'il n'y a pas de numéro de page sur des livres, comment on fait la référence dans un travail, dans une bibliographie? Est-ce qu'il y a toujours des numéros de page ou de paragraphes? Ben, je veux vous dire, c'est une des questions encore en suspens. Là, je veux dire, on n'a pas de réponse. Moi, j'imagine les dans le cas d'un EPUB, j'imagine les professeurs essayer de référencer un passage du livre. Je ne sais pas comment ça peut se présenter. Là, j'ai l'impression qu'il y a une solution peut-être qui va venir. Il y a une idée à avoir par rapport à ça pour que les enseignants puissent référencer une partie. Parce que on peut diviser le livre en pages, mais on peut aussi le diviser, je sais pas, on peut peut-être penser à, comme dans la Bible, avoir des petits versets par-ci par-là. On peut avoir des numéros sur le côté, des noms de, je sais pas, des couleurs. Il y a toutes sortes de possibilités, mais c'est sûr que si on arrive avec un livre à partir d'un PDF qu'on transfère en EPUB, là, on se perd un peu dans les références. Là. C'est une question à répondre. Si je peux ajouter, il y a... Pour ma part, je vois 2 solutions. Soit on utilise effectivement le PDF, alors à ce moment-là, le problème ne se pose pas. Les numéros de page restent beaucoup plus faciles, en tout cas, je crois, pour un enseignant, pouvoir référencer les pages, référez-vous à telle page ou à telle autre. Si on s'en va vers par exemple, le EPUB, où là, il n'y a vraiment plus de notion de page, par contre, on peut utiliser, là, on doit obliger l'utilisation d'une application comme, par exemple, Adobe Digital Edition pour tout le monde ou iBooks pour tout le monde. Ces 2 logiciels-là offrent un système de calcul de pages qui est basé sur, on ne connaît pas la formule exacte, mais qui va être la même pour tout le monde. Mais si quelqu'un utilise Adobe Digital Edition et quelqu'un d'autre utilise iBooks, impossible de référencer les pages. Puis c'est sûr que l'autre, je pense que c'est peut-être une partie de la question qui était posée. Pour ce qui est du référencement, par exemple, dans les index, ça reste effectivement un bon problème pour le EPUB.
pour notre part, quand ça quand on fait une conversion vers le EPUB, on conserve simplement les numéros de page qui existent déjà, même si ça ne référence pas nécessairement un vrai numéro de page. Pour la création à partir de la base, faire un EPUB où il n'y a pas de numéro de page au départ, ben là, il faut s'entendre sur une solution comme utiliser certains caractères qui vont être un hyperlien vers l'endroit qui est référencé. Il y a différentes solutions qui existent, là. Mais c'est sûr que ça reste un défi. Okay. Oui, ici, mademoiselle. On va essayer toujours de maintenir le niveau ouais, d'intensité de notre voix là, pour que ça oui. porte à travers les conduits d'aération. Là. Oui, mademoiselle. Ben, bonjour, mon nom c'est Émilie Cavoun, je suis graphiste à la TELUC. Et puis, puisqu'on parle d'un point de vue aussi très technique, je voudrais aussi m'adresser aux auteurs, parce que c'est sûr que là, tout à l'heure, on parlait des références, mais il faut que vous sachiez aussi que lorsqu'on fait un livre numérique, et puis vous, en tant qu'auteur, vous nous donnez le contenu qui est souvent en mode Word, il faut penser aussi à ce que vous voulez comme déclinaison. C'est sûr que vous voulez un EPUB peut-être, mais lorsque nous, les graphistes et au montage, on peut créer un PDF. On peut aussi penser que vous voulez aussi faire imprimer votre document, parce que tout se décline aussi. Alors, quand on parle des références, oui, il faut les intégrer. Oui, il y a de la numérotation. C'est sûr que lorsqu'on gère le EPUB, il n'y aura pas de pagination. Mais si on vous fait un document imprimé, là, ça va apparaître. Alors, c'est des choses aussi qu'il faut penser aussi dans votre rédaction. Tout peut se faire et tout peut se décliner en une fois. C'est pour ça que le travail aussi dans les maisons d'édition, dans la section du montage comme graphiste, nous, on a besoin de beaucoup d'informations. Puis votre contenu, il faut le penser aussi comme en réalisation d'un volume imprimé. Mais tout à l'heure, on va en parler un peu plus sur le point de vue de la rédaction. Mais tout est possible et tout peut se décliner maintenant plus rapidement. On fait un format et puis on peut aller ou en impression ou en version EPUB. Fait que je voulais juste souligner que tout est faisable, tout est malléable, mais il y a des conséquences aussi sur le format dans lequel vous désirez vos contenus. Puis ça, il faut être bien averti. Puis il faut que vous le sachiez de prime abord aussi, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez diffuser, puis l'importance d'un EPUB. Parce que le papier est encore là, restera, mais votre implication, puis comment vous voulez le déployer auprès de vos étudiants. Merci. Merci pour le commentaire. Il y a des conséquences, juste pour continuer sur ce que Émilie disait, il y a des conséquences, par exemple, on retouche la mise en page, si on fait un EPUB, on descend, c'est du texte, on descend ça, comme ça. Quand on a décidé, dans notre cas, de faire un PDF après, la professeure était d'accord, oui, c'est une bonne idée, bien, il a fallu qu'on refasse un document et que l'on tienne compte de la pagination et que l'on tienne compte des coupures de fin de page, etc. Là. Donc, on a refait une certaine mise en page. Sauf que ce n'est pas un travail qu'on recommence de A à Z au niveau du concept, mais quand on calcule le temps aussi, bien, c'est quelque chose à ne pas oublier, omettre. Bonjour, Éric Franqueur de l'ETS. Je ne sais pas si c'est des questions ou des commentaires. Je pense qu'on a l'écologie de la publication là, est vraiment transformée actuellement. Là. Là-dessus, il n'y a pas de démocratisation des outils, tant au niveau de la production que la diffusion. C'est pas toujours avec des résultats heureux. Là. Je pense que Apple a fait une erreur majeure en chipant le Macintosh en 80 avec 45 formes de police de caractère que jamais personne n'a su utiliser parce qu'il n'y a personne qui sait quel est un bon caractère pour quel job. Microsoft est arrivé avec le Comic Sans un peu plus tard. Là. Ça, c'était une autre horreur. Mais en tout cas, il y a vraiment, entre autres, une dématérialisation. Et ça a des conséquences. J'aimerais ça qu'on parle de ça en termes de cycle de publication, d'édition, parce que là, on n'est plus pris dans le livre qui est solide, puis comme on met, quand tant que tu n'as pas vendu tes 5000 copies, tu n'en feras pas une réimpression. Quand tu veux faire de la révision, il faut que tu fasses ton livre au complet, alors que là, tu peux peut-être, en fait, ajouter quelque chose au bout d'une année, revoir un chapitre un moment donné. Ça, c'est un aspect, en tout cas, je ne sais pas là, si c'est une chose dont vous avez discuté. Une chose qui t'intéresse, que j'aimerais savoir, peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut me répondre à ça. Le fait de ne pas publier physiquement, quel effet ça a sur le prix, en fait, du coût
du livre. Autrement dit, là, je suis juste curieux, en fait, de savoir si ça a des... Ouais. Ça a des incidences? Bien, présentement, en 2013, ça n'a aucune incidence sur le coût, c'est-à-dire que ça coûte la même chose à un éditeur, puis parfois même plus cher. Ah oui, OK. Donc, et présentement, dans la chaîne du livre au complet, parce que là, je vais parler de mon point de vue distributeur, dans la chaîne du livre au complet, tous les intervenants se prennent les mêmes marges que pour le livre papier. Okay. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas non plus d'économie. Par contre, c'est vrai qu'il y a comme une poussée pour dire le livre numérique, ça devrait être moins cher que le livre papier parce qu'on a un comparable au papier. On vend le roman qui est sorti à 27,99. Ben, dans votre tête, vous dites, je ne paierai pas 27,99 pour sa version numérique. Mm-hmm. Par contre, si on n'a pas de comparable papier, c'est vrai que ça peut devenir difficile de voir à quel prix on va le vendre. Puis quand on regarde les analyses de ce qui se passe aux États-Unis, où eux, ils sont rendus dans un cycle peut-être un peu plus avancé que nous dans le livre numérique, ils ont, oui, eu un gros effet sur la baisse des prix jusqu'à l'année dernière, mais en 2013, on voit que le prix des livres numériques commence à remonter. Okay. Donc, cette pression-là qu'il y a eu, entre autres, avec Amazon, avec le 9,99 et moins en disant que les livres numériques, il ne fallait pas que ça coûte cher, commence à s'estomper. Et puis là, on va revenir à des prix un petit peu plus... Parce que l'impression et la distribution, ce n'est pas un coût important. Mais en fait, l'impression d'un livre, c'est, moi, je pense, une des choses qui a le plus baissé depuis 10 à 15 ans. Entre autres, avec toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées, c'est sûr que le coût du papier, lui, a augmenté, mais les presses numériques sont arrivées, il y a des étapes qui sont là de moins. Mm-hmm. Par contre, dans la création du livre numérique, vous allez le voir tantôt avec d'autres tables rondes, les étapes, elles sont encore là. Puis quand on ajoute des éléments d'interactivité, les droits, etc., on arrive avec des coûts qui sont en fait à peu près les mêmes. OK. Merci. Donc, c'est pas tant... il ne faut pas tant le voir comme une économie que comme un autre moyen d'ajouter de l'interactivité. J'aimerais répondre à la première question là, par rapport à la mise à jour des livres en question. C'est sûr que ça peut être intéressant comme perspective là, au niveau de pour un professeur de mettre à jour les livres là, constamment. Là, je pense toujours aux encyclopédies qui ont été qui passent date, c'est-à-dire qu'on sort une encyclopédie de papier, puis là, il y a un personnage illustre là, qui décède ou il y a un élément de l'actualité qui apparaît, puis bon, l'encyclopédie du jour au lendemain devient passé date. Alors, c'est sûr que là, Wikipédia, par exemple, peut passer par-dessus ça et puis se mettre à jour tout le temps. C'est sûr que le problème, par exemple, dans un livre numérique, si on veut le mettre à jour tout le temps, bien, c'est que ça ajoute constamment du travail pour la maison d'édition. Les maisons d'édition, habituellement, sont habituées de faire, par exemple, un livre, là, de le sortir, et puis peut-être plus tard, dans quelques années ou dans quelques mois, ou bon, peut-être pas quelques mois, mais quelques années, de faire peut-être une nouvelle édition à ce moment-là. Alors ça, c'est le cycle normal. Alors, d'avoir à faire des mises à jour sur un livre... plusieurs fois, constamment, c'est sûr que là, ça ajoute du poids au niveau du prix de ce livre-là, et puis ça finit par être sans fin, là. C'est-à-dire que le livre finit par toujours être en cours de production, et puis là, on n'arrive jamais à bout de ce livre-là. Mais c'est sûr que l'avantage, c'est d'avoir des livres qui sont à jour, là. Alors, c'est peut-être de trouver un équilibre, je ne sais pas exactement, là, c'est pas vraiment à moi de répondre à cette question-là. En tant que designer graphique, là, c'est pas moi qui a les cordons de la bourse là, par rapport à ça. Là. Moi, je peux faire des mises à jour, ça ne me dérange pas, mais c'est de savoir, c'est que mon salaire il est payé à chaque fois, fait que c'est de savoir combien, quelle mise à jour, à quel rythme là, il faut faire ça. Là. Ça prend des ressources supplémentaires, c'est sûr. On a frappé un mur à un moment donné par rapport à ça, parce que dans le projet qu'on a fait, ça s'est fort. On a eu des corrections qui nous ont été demandées quelques mois plus tard. Et là, puisque l'intégrateur avait travaillé dans le HTML, bien, il faut qu'on garde des traces parce que moi, mon fichier original, corrigé, révisé, tout ça, était correspondait plus. Donc, il y a vraiment un souci à ce niveau-là de garder des traces du travail de l'intégration pour pouvoir rentrer à nouveau dans le fichier, régénérer un EPUB.
Donc, c'est du travail à ce niveau-là, puis c'est un défi aussi, parce que s'il y a beaucoup de corrections, mais dans un cas de manuel de cours, bien, c'est clair qu'il y a des cours qui nécessitent des changements régulièrement, là, et il y en a d'autres que non, mais c'est sûr que c'est à tenir encore. Puis, il faut tenir compte aussi, si le manuel de cours, il est produit, par exemple, par votre institution, pas par une maison d'édition, mais vous le déposez sur Moodle, puis vous décidez de faire des modifications fréquentes, bien, ça a peu ou pas d'impact pour ceux qui l'utilisent, parce que c'est des nouveaux étudiants qui arrivent, ils ont le nouveau matériel mis à jour, etc. Mais si vous voulez en faire un livre qui est distribué dans le réseau de distribution du livre numérique normal, il faut aussi que vous gardiez en tête que, pour des livres qui sont distribués dans des magasins sur des plateformes externes comme Amazon, Apple, par exemple, Barnes & Noble, les grosses boîtes, ça va bien parce qu'eux, ils sont tellement gros, ils ont une bonne gestion des comptes clients. Puis si vous êtes déjà, là, vous avez des appareils Apple, vous connaissez un peu les notifications qui apparaissent, le petit 1 ou 2 pour dire qu'il y a une mise à jour, puis que vous pouvez télécharger la nouvelle mise à jour de ce que vous avez acheté. Ça va bien. Mais si vous achetez votre livre chez Archambault, chez Coop UQAM, chez Renaud-Bray, etc., leur gestion de compte client n'est pas au niveau de celle d'Apple. Donc, si vous faites une mise à jour de votre produit ou vous lancez une nouvelle édition, bien, les clients qui ont déjà acheté votre livre ou votre étudiant qui a acheté le livre il y a 3 mois, bien, lui, il ne pourra pas avoir accès à cette nouvelle version-là. Ou s'il a accès, ça va être compliqué pour lui de télécharger la nouvelle version, etc. Donc, l'idée qu'on pouvait peut-être avoir de dire le manuel de cours numérique, c'est super, je vais pouvoir mettre à jour mes statistiques aux 2 semaines dans le livre, ça va quand c'est du matériel qui est déposé quelque part puis qu'il y a juste vous qui avez le contrôle. Mais si c'est un livre que vous lancez dans l'univers du livre numérique, il faut garder en tête que ce n'est pas aussi simple que ça de faire des mises à jour sur des livres. Et qu'on est encore dans un modèle de chaque livre, chaque format a un numéro ISBN différent. Donc, quand je relance dans la chaîne du livre une mise à jour qui est une nouvelle édition, c'est comme un nouveau produit qui arrive dans le décor et comment on fait pour gérer ces différentes versions-là. Un dernier commentaire bien pratique là, pour les auteurs par rapport aux livres numériques, c'est par rapport aux hyperliens. Dans les livres numériques, on peut mettre des hyperliens, que ce soit le EPUB, le PDF, etc. Mais c'est des liens qui vont vers le web, et puis le web, comme vous le savez, ça bouge, il y a des sites qui apparaissent, qui disparaissent, qui changent d'adresse, etc. Alors c'est sûr que si vous mettez beaucoup, beaucoup d'adresses web dans votre livre numérique, il y a de fortes chances qu'après quelques temps, certaines des adresses aillent vers un mur, là. C'est-à-dire qu'on arrive sur une page vide parce que le site web qu'on est en train de référer a disparu, est allé ailleurs. Alors, c'est peut-être une prudence par rapport à ça, c'est de d'abord aller vers des références qui sont solides, là, qu'on peut penser qu'ils vont rester telles quelles là, pour quelques mois, quelques années, et peut-être d'essayer de mettre la pédale douce là, par rapport à ça, parce que ça devient, les livres deviennent passés date assez rapidement, puis les étudiants sont frustrés quand ils arrivent sur un lien, puis ça mène vers rien. En attendant, en web diffusion, je pense qu'on avait une question. Oui, pendant qu'Éric descend les marches, je vais en profiter. Des questions par rapport au prix, pour revenir au prix, si l'impression n'est pas, premièrement, l'impression, quel pourcentage du coût c'est, et si les livres numériques sont plus chers, c'est remplacé par quoi le coût de l'impression? Une voie de solution par rapport aux mises à jour aussi, d'utiliser des applications qu'on paye une fois et qu'on met à jour plutôt que de publier un livre chaque fois. Est-ce que c'est une voie de solution intéressante? Par rapport aux applications, je sens que le problème va rester le même, là. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre l'application à jour, là, à moins qu'elle soit vraiment branchée sur un site web qui est mis à jour par un professeur, là. Mais si on parle d'un produit, d'une application, il va falloir la mettre à jour là, quand même. Là. Ça finit par le même problème là, okay. Tout le temps. Là. L'impression, et puis Nadine pourra me le dire si je me trompe, c'est à peu près 10 à 15%. C'est ça. Donc, c'est
les coûts de production, ça prend plus de temps. Il y a souvent des droits aussi à payer. Dans l'univers du livre présentement, quand on achète des droits pour des photos, par exemple, ou des bouts de texte que vous avez pris dans d'autres manuels que vous voulez reproduire dans le vôtre, c'est pensé pour de l'impression papier. Donc, on achète des droits pour le papier, ça va. Maintenant, quand on ajoute l'utilisation dans un livre numérique, bien, la plupart des entreprises qui gèrent les droits voient ça comme l'utilisation sur un site web. Donc, les coûts viennent souvent de doubler, tripler, quadrupler si on veut l'utiliser dans un livre numérique. Et puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de coûts d'impression, mais il y a des coûts supplémentaires qui viennent de déclinaisons de différents formats, d'archivage, etc. Merci. Le problème des URL, des sites web, c'est vrai aussi dans l'impression, dans le livre imprimé. Moi, j'ai commencé à traduire et adapter en 2008 un livre qui avait été publié en 2006 en anglais en Europe. Et il y avait, dans les références, ils avaient mis simplement les URL. Pas de site de site web, pas d'auteur, rien. Et il y avait 50% des URL qui menaient nulle part au bout de 2 ans. 50%. Alors que s'ils avaient mis un auteur, un titre de site, ça aurait été très facile avec Google. Donc, même la capacité dans un livre électronique de mettre simplement l'URL, ça ne devrait peut-être pas nous empêcher de mettre la référence complète de façon à ce que si l'URL change, avec la référence complète, on peut quand même, avec Google, retrouver. Parce que le contenu, souvent, a simplement changé de place. Il a changé de place dans la structure d'un site web, mais il n'est pas disparu. Donc, c'est une chose auquel il faut faire porter attention. Merci. Ça m'amène à vous poser une question sur les fameux objets multimédia ou interactifs dans ces manuels-là, ce qui est une partie, un aspect intéressant du numérique. Quelles sont les limites ou quelles sont les possibilités, d'une part, mais les limites aussi? Avez-vous des recommandations à formuler là-dessus? Je dirais que, ça dépend. C'est que la grosse contrainte, là, c'est vraiment la compatibilité avec les différentes plateformes. Alors, plus on veut être compatible avec toutes les plateformes, moins d'éléments interactifs on peut ajouter dans notre livre. Alors, par exemple, si je dis, OK, je veux faire une application, ça va être juste sur l'iPad, c'est tout. Ben là, sky's the limit. On peut en faire beaucoup. Là. C'est sûr que là, il faut avoir des designers qui ont le temps puis qui ont la compétence de le faire. Peut-être un développeur si on veut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Mais si on demande, par exemple, de faire un livre numérique qui va être compatible sur l'iPad, mais là, on dit, oui, Android aussi, on veut que ce soit sur l'ordinateur, Kindle, puis là, on en ajoute. Ben là, c'est que certaines plateformes peuvent faire telle affaire, certaines plateformes peuvent faire telle affaire. Alors, on arrive avec un dénominateur commun, puis là, on ne peut pas faire grand-chose là, en tant que tel. Je dirais que les choses qu'on peut... Les éléments interactifs qui sont les plus communs sur toutes les plateformes, c'est d'abord les intraliens. Alors ça veut dire un lien qui nous permet de voyager d'une page à l'autre à l'intérieur du livre. Alors on peut faire des navigations intéressantes là, par rapport à ça. Alors une navigation qui nous permet de passer d'un chapitre à l'autre ou d'une idée à l'autre à l'intérieur du livre. Alors ça, c'est quand même assez commun sur la plupart des plateformes. Le vidéo n'est pas si mal non plus. On peut avoir du vidéo, par exemple, sur un PDF. Dans un EPUB, on en a vu aussi. Si on utilise la bonne application pour pouvoir lire le PDF sur un iPad, ben là, on peut lire le vidéo lui-même. Alors ça, c'est sûr que vidéo, ça peut être intéressant. Là, on peut penser produire des vidéos. Des fois, ce que je donne comme exemple là, par rapport à ça, c'est au lieu de prendre une photo, vous faites un livre sur, par exemple, l'éducation physique. Au lieu de prendre une photo de quelqu'un qui lance le ballon, ben, prenez un petit vidéo de quelqu'un qui lance un ballon. T'sais. Alors, ça, peut-être des petits changements comme ça quand on produit le livre qui nous permettent d'ajouter un petit peu d'interactivité. Un iPhone permet de prendre des photos, mais aussi du vidéo. Alors, peut-être des petites idées comme ça qui nous permettent d'ajouter une interactivité rapidement. Tout ce qui est boutons, pop-up, etc., ben là, on arrive justement dans le territoire des choses qui sont compatibles avec certaines plateformes et d'autres non. Et puis là, ça peut être plus difficile. Alors, c'est un choix à faire. C'est ou bien on est compatible avec tout, ou bien encore on fait des choses qui sont très interactives, mais qui sont compatibles avec moins de plateformes. Si je pouvais ajouter, c'est un choix à faire, comme dit Mathieu, mais c'est un choix à faire au début du projet.
Nous, en tout cas, nous, on est entre l'éditeur et le diffuseur ou l'imprimeur. Donc, les projets nous arrivent déjà montés par les auteurs, les choix de maquettes ont été faits et tout et tout. Quand c'est dans le cas d'un livre papier, aucun problème, on fait le montage du livre, selon la maquette, on arrive avec un PDF. Ça va aller chez n'importe quel imprimeur, ça va s'imprimer, aucun problème. Par contre, on nous passe la commande, je veux avoir un livre numérique qui fait telle chose, un e-pub, je veux que tu t'intègres telle vidéo dedans. Aucun problème, on va faire le e-pub ou le PDF qui intègre ces fonctionnalités-là. Puis là, à la toute fin, on apprend. Bien, on veut le diffuser sur telle plateforme, on va utiliser telle. Puis là, oups, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment prendre cette décision-là au départ. Sinon, à la fin, on fait un travail et on est restreint, puis on ne peut pas le diffuser où on veut. Là. En tout cas, nous, c'est notre quotidien, on rencontre fréquemment ça. C'est pas un réflexe qu'ont les gens la plupart du temps de penser où va être diffusé et avec quel outil, mais c'est vraiment une décision à prendre au départ. Et c'est pourtant primordial parce que. On dit que les iPads, c'est ce qu'il y avait de plus populaire, c'est ce qui est encore de plus populaire et de plus vendu, mais ils se font vraiment talonner par plusieurs autres joueurs maintenant et les chiffres commencent à changer et donc on ne peut pas penser qu'on a… il faut choisir, il faut faire un choix. OK, moi j'ai une question, Daniel Oliva de l'ETS. Là, on parle de livres qui sont destinés à être vendus, si je comprends bien. Donc, on passe dans un format commercial, puis on a tous ces problèmes que vous citez, que pour que ça soit vendu le plus possible, sur le plus de plateformes possibles, il faut se retrouver au minimum de technologie. Comme s'il y a une perte quelque part, puisque le format e-pub, vous dites, c'est que du texte bout à bout. On perd tout le contexte attrayant du livre de référence, surtout dans les bas niveaux d'études primaires, etc., où on avait des livres avant extrêmement visuels et bien faits. Là, on se retrouvait avec des livres numériques qui sont plus que du texte, finalement. Ma question dans ces livres de référence qui sont sous format numérique, c'est qu'on ne peut pas les utiliser en situation d'examen chez nous, à l'ETS, puisque les liseuses sont reliées Wi-Fi, en général, donc ça permet éventuellement de se mettre en réseau et de tricher pendant l'examen. Puisque les livres sont permis souvent dans les examens, mais on ne peut pas les avoir quand c'est sous format numérique. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, ce qui intéresse chez nous, souvent les profs, c'est de faire des livres plus, comme la presse plus. C'est ça qui les attire, parce qu'autrement, ils sont sur Moodle, et ils sont web service, et c'est un livre qui est universel, puisqu'ils sont dans un format qui va pouvoir se lire sur n'importe quelle plateforme web. Donc la compétition, elle est un peu avec ça. C'est est-ce que je fais un site web interactif, ça marche très bien. Est-ce que je fais une classe inversée où je mets des vidéos et c'est ça qui fonctionne bien au niveau des étudiants parce qu'ils préfèrent regarder une vidéo que lire souvent. Donc qu'est-ce qui va les attirer plus si je fais un livre de référence qui serait dans une application multimédia interactive? Et c'est là où j'ai besoin de passer par un éditeur parce qu'à l'interne, on n'a pas forcément de maison d'édition qui va permettre de bien multimédiatiser les choses. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans le colloque aujourd'hui, c'était plutôt l'aspect des applications, finalement, qu'elles soient sur Apple ou sur Google. C'est cet aspect-là qui m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait distinguer un peu l'aspect commercial, diffusion, justement et... La question de la compatibilité, c'est sûr qu'il y a un aspect commercial là, par rapport à ça. On veut que ce soit vendu le plus possible à toutes sortes de monde qui ont toutes sortes de tablettes. Mais c'est aussi un souci que je vois dans un autre aspect, c'est-à-dire que dans un cadre universitaire, on a toutes sortes de monde qui se présente en tant qu'étudiant, surtout à l'Université du Québec, là, qui a une mission d'universalité. Là, on veut ouvrir la porte à tout le monde. Alors, on a des étudiants qui arrivent avec toutes sortes de tablettes, toutes sortes d'ordinateurs, puis on veut pouvoir leur présenter le livre à tous ces gens-là. Alors, il y a l'aspect commercial de « on veut en vendre », mais il y a aussi l'aspect de « on veut démocratiser la connaissance comme on démocratise la connaissance à l'Université du Québec ». Alors, c'est souvent ça qui revient tout le temps. Par rapport à l'application,
comme on disait tout à l'heure, ben, c'est de prendre la décision au départ. Là, on commence le projet, puis là, c'est de prendre la décision qu'aujourd'hui, on va faire une application. On va pouvoir la diffuser sur iPad, Android, mais on ne pourra pas la lire sur l'ordinateur. Tous les étudiants qui vont arriver dans la classe avec leur ordinateur, ben, ils vont avoir besoin d'un iPad à côté pour pouvoir le lire. Vous voyez, on arrive avec ce genre de questionnement-là avec une application. Mais ça, depuis le début, on parle vraiment d'aujourd'hui en 2013. Alors peut-être que dans 5 ans, ça va changer cet aspect-là. On va avoir un format qui va nous permettre de mettre l'interactivité et puis d'avoir la compatibilité. Là aujourd'hui, il faut faire des choix là, assez déchirants dès le début du projet pour pouvoir choisir entre interactivité et puis compatibilité. Mais éventuellement, peut-être que le hip-hop va devenir un peu plus... plus flash, là, il va y avoir plus d'interactivité dans le EPUB ou encore on va avoir des applications qui vont pouvoir se lire sur plus de plateformes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Comment vous voyez la compétition alors entre un site web universel et le format numérique qui est dépendant des liseuses finalement dans lesquelles on est? Il y a comme une incompatibilité. Oui. Ben c'est-à-dire qu'un étudiant pourrait avoir un site web au lieu d'avoir un livre. Ça, c'est une question qu'on a souvent. Je ne sais pas si Bianca a une réponse par rapport à ça, puisqu'on s'en est parlé un peu. Ben, il y avait une des choses qui était aussi, qui avait remonté. En fait, c'est sûr qu'on peut présenter le même contenu dans les deux. Est-ce que ça a la même valeur pour le professeur entre écrire un livre ou faire un site web puis en faire la mise à jour? Pour certains, ça n'a pas du tout la même valeur. Écrire un livre ou un manuel de cours, c'est quelque chose... Faire un site ou le mettre à jour, c'est autre chose. Puis, il y avait aussi une notion de dire que dans un cas, on a un contenu fini qui est là et qu'on lance. Dans l'autre, c'est plus quelque chose, oui, qui peut toujours être mis à jour. Mais ça dépend toujours, je pense, aussi de qu'est-ce qu'on... Pourquoi on fait ce contenu-là pour l'étudiant? Est-ce que c'est pour... présenter c'est quoi toutes les formules en ingénierie de première année, puis c'est un peu un aide-mémoire qu'on veut laisser là, ou si c'est un livre qui est un manuel de cours, mais qui s'en va à la fois plus vers l'essai, puis que quelque chose que quelqu'un va pouvoir garder puis amener avec lui après ses études, etc. Donc, c'est un questionnement à avoir dans les deux. Dans les commentaires par rapport à ça, si on fait un site web, on doit considérer, pour mettre l'information là, destinée aux étudiants, on doit considérer que ce site web-là va être gratuit. Là. C'est-à-dire que mettre des mécanismes pour pouvoir avoir accès à ce site web-là, ça devient compliqué. C'est-à-dire des mécanismes là, d'achat, d'accès au site web, ça commence à être un petit peu plus compliqué rendu là. Alors, c'est sûr que si on choisit de faire un site web par rapport à un livre numérique, ben, c'est dans un aspect de diffuser l'information gratuitement. Là c'est pas, on n'achète pas le livre ou quoi que ce soit. Alors, c'est un autre choix. Là. Si c'est gratuit, ben, il faut quand même payer la personne qui conçoit, qui construit le livre, le site web. Alors, comment va être payé si le site est gratuit? Là? Alors, c'est des questionnements là, par rapport à ça. Une réaction aussi? Oui, c'est plus pour faire du millage sur la discussion. Normand Landry, professeur à la TELUC. La question de la compatibilité a des impacts pédagogiques qui est crucial, en fait, et qu'il faut penser dès le départ. Moi, par exemple, dans le cadre du manuel que j'ai fait avec les PUC, c'est important pour nous que les étudiants puissent le lire sur l'ensemble des plateformes, peu importe les choix que les étudiants font, qu'ils puissent le lire à l'écran, mais également l'imprimer. Ce qui nous a poussé dès le départ, par obligation, à aller vers le PDF. On n'avait pas le choix pour atteindre cet objectif-là. L'autre question de compatibilité qui est essentielle, c'est toute intégration multimédia qui risque de ne pas fonctionner sur un dispositif particulier, je pense particulièrement aux vidéos, veut dire que cet ajout multimédia-là ne peut être qu'un complément d'information dans votre manuel et ne peut pas être un élément sur lequel les étudiants vont être évalués ou un élément sur lequel les étudiants vont reposer pour pouvoir développer leurs propres connaissances. Ça veut dire qu'il faut prendre pour acquis qu'il est possible que ça ne fonctionne pas dès le départ. Et en tenant compte de ça, il faut rédiger non seulement les aspects multimédia du manuel de cette manière-là, mais également le texte.
ça nous oblige à réécrire notre bouquin, du moins en partie, en tenant compte que le vidéo qui devait tout éclairer ne va peut-être pas fonctionner. Donc, dès le départ, il y a des enjeux technopédagogiques qui sont très clairs là, à ce niveau-là. Ça nous amène finalement à la question de l'accessibilité, autrement dit, pour quiconque, pas nécessairement pour le choix des appareils qu'on fait, que chaque étudiant font, mais aussi ceux qui n'ont pas nécessairement, des étudiants, par exemple, qui présenteraient des troubles de la vue ou auditifs, tout ça, il y a cette dimension-là aussi qui est très, très, très importante à tenir compte, j'imagine, quand on fait un manuel qui est destiné à l'apprentissage. Comment on gère ça du côté des éditeurs, de l'édition? Vous voulez dire, par exemple, si quelqu'un a des problèmes de vue ou… C'est ça, ben, les choix qu'on peut faire, les choix qui s'offrent à nous… Avez-vous des recommandations par rapport à ça ou c'est justement toujours de créer une ressource alternative comme on vient de le mentionner? Par exemple, si on a une vidéo dans le manuel, ben, faut peut-être penser à créer un petit texte qui accompagne justement pour que les étudiants qui ne puissent pas visionner le vidéo puissent avoir au moins une ressource alternative. Madame, vous vouliez Si je peux répondre un petit peu pour ce qui est de l'accessibilité, on en fait depuis un an ou deux, il y a des normes qui ont été établies au gouvernement du Québec, là, donc il y a une obligation de rendre des documents accessibles, donc on a dû commencer à en faire pour eux. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est que premièrement, c'est beaucoup du côté du PDF que c'est fait, là, mais c'est autant valide pour les sites web que pour le document PDF. C'est possible aussi à l'intérieur du EPUB. Et même les documents Word, on peut les rendre accessibles pour les gens qui ont des difficultés à la vision. Ce qu'on remarque beaucoup, quand ce n'est pas pensé au départ, les grosses difficultés souvent, parce que ce n'est pas simplement une question de technologie, c'est une question aussi de comment on présente le document. Donc, entre autres, la présentation des tableaux. Quand il y a des tableaux complexes, les lecteurs qui automatisent, qui font la lecture à haute voix, n'arriveront pas à rendre les tableaux. Donc, souvent, il faut les déconstruire, les présenter autrement. Comme on mentionnait tantôt, les images, il faut penser à un texte alternatif qui va décrire l'image, pour ce qui est des couleurs, entre autres, pas faire reposer certains éléments sur simplement des différences de couleurs, donc plutôt remplacer par une lettre ou un chiffre. Donc, c'est des éléments, je dirais que quand ça nous arrive, ça n'a jamais été évalué au départ. C'est un gros, gros travail par la suite parce qu'il faut tout défaire, tout déconstruire et tout refaire. Donc, si jamais vous pensez que vous avez besoin de faire ce genre de document-là et de le rendre accessible, au départ, il y a beaucoup de travail qui peut être fait au départ pour que le livre soit, je dirais, peut-être à 90% accessible autant à l'imprimé, autant au numérique, puis ensuite un simple un peu de travail à faire pour le rendre complètement accessible là, pour les gens qui en ont réellement besoin. Si jamais ça arrive et que ça n'a pas été pensé au départ, il y a un bon travail à faire là, par la suite. J'ajouterais peut-être que là aussi, il y a des joueurs qui ont qui font partie du processus dont la définition de tâches le change parce que L'accessibilité, il faut s'en soucier pour tous les documents qu'on crée. Et donc, au départ, par exemple, on doit différencier des images simplement décoratives et des images informatives. Puis là, à ce moment-là, les gens qui rédigent doivent donner une définition à cette image-là ou à tout ce qui se trouve dans le document qui nécessite d'être lu par quelqu'un qui ne peut pas lire par une machine. Et là, quand on parle de c'est dès le départ, ben c'est effectivement dès le départ parce que quand je reçois un document, il faut que ça soit déjà fait et déjà réfléchi. C'est un travail en amont avant de faire quoi que ce soit. Donc, on a beaucoup d'affaires à décider avant, hein, le support, l'accessibilité, etc. Oui, madame? Alors, moi, c'est plus un commentaire qu'une question. Julie Poliquin, directrice du marketing au Prince de l'Université du Québec. Je voulais faire référence un peu à… On a soulevé le questionnement que les gens ont par rapport au prix du livre numérique. Et puis, je pense qu'avec tout ce qu'on vient d'entendre là, dans la dernière heure,
Il faut surtout se rappeler que le livre numérique est immatériel, mais il n'est pas magique. Alors, non seulement ça prend beaucoup, beaucoup de travail qui doit être fait au même titre qu'on doit le faire pour le livre papier, c'est-à-dire tout le volet production graphique pour les textes et puis tout ça, mais il y a aussi beaucoup de travail supplémentaire qui doit être fait, ne serait-ce que pour le faire en différents formats quand on a un choix d'un livre. Bon, on parle d'accessibilité, puis je dirais qu'au peu que les projets sont, pour cette raison, en PDF, pour les rendre disponibles au plus grand nombre dans un public restreint. Ce que je veux dire par là, c'est que les livres de cours sont destinés non pas au grand public, mais bien à un public qui est très ciblé, mais qui est quand même, somme toute, limité. Peut-être que dans le temps, les ventes se continuent, mais ça ne dure pas 20 ans, un livre. Et puis, donc, ce que je fais référence, là, c'est la raison pour laquelle le prix du livre numérique devra être, comme Bianca le mentionnait, aux États-Unis, c'est déjà commencé, où le prix du livre numérique se ravise un peu parce que, justement, il y a des considérations de production qui sont autres que l'imprimé, mais qui sont quand même importantes. Puis aussi, je veux faire référence à monsieur qui parlait là, du site web ou d'une application. Dans le monde du web, il y a une perception, ou du moins, il y a une habitude de gratuité qui fait que si c'est une application qui est téléchargé sur un appareil mobile ou si c'est un site web. Les gens, un site web, c'est gratuit. Puis si c'est une application, on est tous habitués à télécharger une application à 1,49 $. Et le même contenu devrait être traité, le même travail de développement de contenu augmenté devrait être fait, alors qu'on devrait vendre cette application-là le prix d'un livre parce que on ne s'adresse pas au grand public. On n'aura jamais, comme Facebook, l'opportunité d'avoir des millions d'utilisateurs pour un livre. Donc, c'est un marché qui est très réduit, qui demande beaucoup de travail. Puis, alors là, c'est mon rôle de directrice du marketing, évidemment, d'avoir des prix qui vont nous permettre de continuer à en produire d'autres, des projets similaires. C'était juste un petit commentaire sur la perception du... c'est immatériel, mais ça demeure un produit qui est très élaboré dans sa nature. D'accord. Très éclairant. En tout cas, ça ajoute de l'eau au moulin de notre réflexion. De la discussion. Et ça ajoute aussi, puis peut-être Julie, tu pourrais le dire aussi, mais l'aspect de service à la clientèle qu'on oublie. Parce que pour le livre papier, ça va bien. Je pense que tout le monde a compris que quand on a enlevé le cellophane, après, on a juste à l'ouvrir. Mais pour le livre numérique, c'est parfois un peu plus complexe quand on vend directement sur son site web comme éditeur, aux presses. On a beaucoup de petits courriels de gens qui, malgré le fait qu'ils utilisent leur iPad fréquemment, ont parfois de la difficulté à synchroniser l'achat qu'ils ont fait, etc. Donc, cet aspect-là de service à la clientèle est là chez les éditeurs, chez les libraires, chez les distributeurs, beaucoup plus fréquent qu'avec le livre papier. Oui, puis pour en parallèle avec ça, là, j'ai dernièrement assisté à une table ronde au Book Camp, puis il y avait des bibliothécaires qui parlaient de ce volet-là où le prêt numérique est maintenant possible dans les bibliothèques, mais que le volet pédagogie qui doit être fait auprès des utilisateurs est très, très exigeant. Là, ça prend des équipes qui sont en mesure de faire. C'est vraiment presque du cas par cas parce que chaque personne a un niveau. Puis je pense que c'est la même chose dans le milieu de l'éducation. Il y a des étudiants. On sait que dans certains départements ou certaines facultés, c'est des gens qui ont des tablettes, qui ont des iPads, qui sont très techno, alors que dans d'autres, c'est pas le cas parce que c'est des préoccupations. Par exemple, les gens qui sont en travail social, là, peut-être que je me trompe, mais risquent moins d'avoir un iPad que ceux qui sont en administration ou en gestion ou en marketing, là, par exemple. Donc, c'est une considération que nous, on doit garder centrale. Puis juste aussi pour terminer, le volet distribution, là, ce que Bianca mentionnait, la chaîne du livre numérique est pour le moment du moins quasi similaire à celle du livre papier. Les distributeurs sont encore là. On doit déposer sur des entrepôts numériques nos livres numériques. Il y a des métadonnées qui doivent être envoyées, puis tout ça. Donc, c'est pas ça. Je reviens un petit peu à l'aspect par rapport à la mise à jour d'un produit
qui entrerait dans la chaîne du livre. Là, évidemment, si c'est produit à l'interne puis c'est distribué par le professeur, c'est autre chose. Mais si on entre dans la chaîne du livre, bien, c'est sûr qu'un livre mis à jour doit quand même être déposé puis ça s'inscrit dans un calendrier. Puis c'est vraiment pas automatique. Je reviens à ce que je disais, là, c'est pas matériel, mais c'est pas magique. Là, c'est pas... Très bien. Merci. On est en 2013, mais bon, on fait pas de magie. Hein? C'est pas si automatisé qu'on le croit. N'hésitez pas, hein, le temps va se compresser, va se comprimer. Il va falloir peut-être même accélérer si vous avez des questions. Allez-y. N'hésitez pas. Ricardo Serrano, UQTR. Vous avez bien souligné les nouveaux modes de lecture qui est entraîné par ces nouveaux modes de transmission de l'information. Tout à fait d'accord. J'aimerais avoir vos commentaires concernant deux aspects bien précis. Premièrement, si on parle d'interactivité, on parle le plus souvent de widgets qui sont programmés à JavaScript et qui s'intègrent parfaitement bien à HTML5, CSS, donc dans un paquet qui est essentiellement tout à fait comparable au web. Et il passe assez bien, à peu près de la même façon que les vidéos, qu'ils soient internes ou externes sur YouTube, bien sûr à la condition d'avoir un accès à Internet. Ma première question, qu'est-ce que vous pensez de widget JavaScript? Et là, on parle de petits tests d'auto-évaluation, on parle de ligne d'état, on parle de beaucoup de choses, dépendamment de la discipline, parce qu'on parle de manuel. Deuxième aspect, l'EPUB a un format mise en page fixe. On n'a pas parlé jusqu'ici, mais il y a certaines disciplines où ça peut rendre service, notamment en anatomie, par exemple. Il y a des exemples qui ont été bien distribués à travers iBook Store, comme les célèbres livres de Yellow Submarine, qui est une merveille. Alors, pour le manuel universitaire, on peut faire des choses magnifiques, mais dans certains domaines, on a besoin justement de cette fixité de page. Widget et page fixe. D'accord, merci. Ben, moi, je vais y aller au macro du distributeur. les EPUB Fixed Layout, effectivement, c'est comme si on faisait l'entre-deux entre le format EPUB qui vous permet d'avoir des pages qui coulent et un format PDF qui est comme une photo de la page que vous avez montée. Là, on fait comme un mix entre les deux, on fait comme une photo de la page qu'on intègre dans la programmation EPUB. Ça se fait beaucoup, entre autres, pour ceux qui font des livres de recettes, hein, parce qu'on veut avoir la photo de la recette qui va avec le reste. Effectivement, dans des planches d'anatomie, ça serait parfait. C'est très, très beau. Par contre, le problème qu'on a, c'est que présentement, il y a Apple qui le lit très bien sur ses appareils et Kobo. Et c'est tout. Pour le reste, ça fonctionne plus ou moins bien. Et l'autre problème qu'on a dans la distribution, c'est que quand on remonte des informations vers ceux qui revendent des livres, par exemple Archambault, Renaud-Bray, etc., pour eux, c'est difficile d'indiquer à leurs clients que ce type de livre-là en particulier est un EPUB Fixed Layout et qu'il ne sera pas lu sur l'appareil qu'ils ont acheté, ce qui fait que certains des revendeurs ont carrément boycotté les EPUB Fixed Layout que les distributeurs de livres numériques leur envoient. Archambault, entre autres, le fait. Si vous en avez un, il ne remonte pas chez Archambault. Donc, c'est dans le milieu et dans tout ce que j'ai pu lire, entre autres, avec ceux qui sont au niveau de l'association de IDPF, qui est l'organisation internationale
qui gère un peu la norme EPUB. On essaie de trouver une manière de le baliser encore plus en se disant « oui, ça peut être intéressant », mais en même temps, il y a une partie des gens dans le domaine du livre qui dit « est-ce qu'on peut enlever ça, ce EPUB Fixed Layout-là, qui en fait n'est pas un vrai EPUB et qu'on ne veut pas avoir dans les pattes ?» Et d'autres qui disent « oui, ça devrait être un format qu'on pourrait un peu plus pousser ». Mais présentement, c'est difficile de le vendre et de le pousser dans le milieu de la vente. C'est un peu la même chose pour les widgets. Ça fonctionne très bien quand on est dans un univers, tu sais, si on crée un site web, une application à l'ETS, on dit on va faire quelque chose, puis là on dépose du matériel pour les étudiants, ils peuvent avoir accès à des widgets. C'est merveilleux, ça fonctionne bien. Quand on est encore dans le domaine d'un livre qu'on veut faire et distribuer, ça fonctionne bien dans un EPUB format 3. Et ça, ben, présentement, on ne peut pas vraiment distribuer parce que ceux qui font des appareils de lecture, il n'y en a pas beaucoup qui le supportent ou s'ils le supportent, ils le supportent très mal. Donc, on est encore ambivalent entre plein de formats qu'on développe qui fonctionnent bien dans des univers fermés, mais qui ne s'exportent pas bien vers la revente, par exemple, chez Coopsco, etc. Donc, si vous pensez à un projet qui est plus, par exemple, à l'UQTR, sur vos sites de cours, quelque chose que vos étudiants vont avoir accès, bien là, go, allez-y, utilisez les widgets et différents formats interactifs qui existent. Si vous voulez un produit qui se vend dans le réseau traditionnel, bien là, il y a des bémols à avoir parce que ça passe moins. Allez-y, madame. On pourrait prendre un autre, hein? Je ne veux pas monopoliser. Alors, j'ai deux questions, un commentaire et une question. Je suis en train de préparer un cours de grammaire pour ceux qui aiment la langue française. Alors, j'aimerais bien pouvoir incorporer des livres numériques. Alors, voilà mes constats. J'observe qu'il y a beaucoup de cahiers d'exercices. Version papier, donc des modèles hybrides. Version papier, le corrigé est en ligne. Je remarque qu'il y a maintenant des dates de péremption. Alors, on peut l'utiliser pendant 6 mois, tandis que d'autres cahiers d'exercices n'ont pas de date limite. Alors, je me dis, mais si c'était la version papier, on pourrait avoir le cahier avec le corrigé, le revendre aussi. Parce qu'on ne peut plus revendre ces outils qui, dans mon domaine, sont vendus au même prix, d'une part. La même chose pour les dictionnaires. Alors, je veux favoriser l'utilisation de dictionnaires en ligne, numériques, parce que les étudiants vont s'en servir davantage. Je remarque qu'on ne peut s'en servir que 3 fois. Alors, le même prix, version papier 39,99, vous le gardez toute une vie, vous le vendez à un collègue, vous le donnez à votre petit-fils, etc. Vous connaissez l'histoire des dictionnaires, ce n'est pas une bonne idée, mais ça se fait, c'est une possibilité. La version numérique, on peut l'installer 3 fois seulement. Alors, voilà ce à quoi je dois faire face lorsque je recommande des ouvrages. Alors, j'hésite. Et je préférerais utiliser des documents numériques et je veux avoir un petit peu votre feedback là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Puis aux gens qui produisent aussi des stratégies de marketing qui semblent favoriser, bien sûr, la vente de nouveaux produits, de mise à jour, etc. Je sais pas, j'ai un commentaire que j'aimerais bien voir de votre part. Parce que ben c'est sûr que c'est une stratégie de marketing que les maisons d'édition et surtout les grandes maisons d'édition, les grands groupes vont utiliser parce que dans le numérique, ce qui est la pensée ou en fait ce qui est arrivé beaucoup au début, c'est beaucoup de piratage. Donc les gens se disaient ah c'est en numérique, let's go, c'est un PDF, je dépose ça sur un site de torrent ou de partage et on recopie. Donc, il y a des maisons d'édition qui se sont dit « bon, mais je vais perdre beaucoup d'argent, alors quelles sont les stratégies que je peux faire pour diminuer un peu ce piratage-là? » En même temps, dans le papier, c'est la même stratégie que des grands groupes comme Pearson et McGraw-Hill ont fait avec les manuels de cours où on est rendu à la 15e version du livre de finances parce qu'on en sort une nouvelle édition chaque année pour que les étudiants en rachètent une autre à 180 US la copie. C'est payant pour ces grands groupes-là, c'est certain.
Par contre, si vous, vous faites un manuel de cours, c'est quelque chose à discuter avec votre éditeur sur les stratégies, sur la façon dont vous aimeriez que votre produit soit vendu, etc. Et c'est là où, avec l'éditeur, ben, il faut voir comment on va travailler ce produit-là. Les mises à jour, les nouvelles éditions, c'est une façon marketing de ramener le produit comme une nouveauté puis de faire que les gens vont en racheter. Et il n'y a pas de miracle à avoir. On essaie de compenser d'une certaine manière les pertes qui peuvent être faites par le piratage. Alors, là-dessus. Voilà. Et oui. Dans le cas de justement de ces volumes-là, je verrais quand même deux avantages là, dont on n'a pas parlé du livre numérique là, jusqu'ici. Okay. C'est-à-dire déjà, pour tout ce qui est livre numérique, ben, y a la fonction de recherche qui est quand même assez intéressante là, dans un livre. Alors, par exemple, dans un dictionnaire, ben, on peut chercher le mot. Là, ça se fait bien, mais c'est plus pénible que d'avoir à juste l'écrire dans notre tablette. Puis là, on arrive directement sur le mot. Cet avantage-là s'applique aussi à pas mal tous les livres. Là. Par exemple, si on regarde une biographie d'un personnage et puis là, on se souvient que ce personnage-là a rencontré une autre figure importante, on ne se souvient plus c'est quelle page, on recherche et puis on arrive directement dessus. Alors ça, c'est un avantage vraiment important du livre numérique. Puis là, c'est fonctionnel. On a parlé beaucoup des contraintes, là, mais ça, ça marche puis c'est partout. Ça, c'est un des avantages. Puis dans le cas des dictionnaires, c'est quand même des bonnes briques. Là. La plupart, là, il suffit d'avoir deux dictionnaires, puis on se promène avec quelque chose d'assez lourd sur le dos. Ben, le livre numérique, ben, on peut avoir 30 dictionnaires dans une petite tablette ou un petit téléphone. Alors, ça peut être un argument là, de ce côté-là. Moi, dans ma petite tablette, j'ai toute l'œuvre de Lovecraft, et puis c'est quand même un écrivain qui a été assez prolifique, là, mais j'ai tout ça dans dans ma petite tablette. Là. Alors, c'est un avantage aussi intéressant qui peut faire pencher la balance de l'autre côté. Là. Merci. Et à titre d'auteur, des balises, vraiment, on a besoin de balises par rapport aux droits d'auteur, parce que c'est très, très important de respecter les droits d'auteur, et ce n'est pas simple merci. On connaît les droits d'auteur lorsqu'on publie version papier, on a les critères, OK, pas plus de 20% pour un livre, pas plus. Alors, ces repères nous sont familiers. Mais lorsqu'on parle de documents, de vidéoclips, vous savez qu'on ne peut pas s'en servir. Il faut demander des permissions, c'est complexe. On peut avoir des pourcentages. Mais là, pour les trucs hyperliens, est-ce que vous avez un guide pour tout ce qui est multimédia? Parce qu'on n'a pas de repère lorsqu'on cite, par exemple, si je prends un texte dans Eureka, la base de données Eureka, je prends un texte d'un journal, par exemple, quel pourcentage puis-je utiliser? J'aimerais avoir des balises, surtout en langue, parce que j'aimerais bien avoir un texte. Est-ce que j'y ai le droit? Comment ça marche pour pouvoir créer des documents simplement mis en ligne sur Moodle, par exemple? Bien, je pense que c'est une des questions qui va être répondue dans la table ronde de cet après-midi. Nadine Aupuc est une spécialiste de la demande de droit d'auteur. Ça ramène un peu à la question de tout à l'heure quand on parlait de coûts. Effectivement, il y a des droits à demander sur tout le matériel et c'est là où il faut se poser la question comme auteur, est-ce que je produis mon propre matériel, audio, vidéo, etc., ou est-ce que je vais puiser dans des choses qui existent? Ça peut être aussi l'occasion pour une institution de voir s'il n'y a pas moyen de créer une banque de ces vidéos-là qu'on peut réutiliser dans le cadre de livres numériques qu'on produit ou de matériel qui peut être fait maison, là. Mais Mais les images sont publiques, certaines d'entre elles ne sont pas publiques, alors on aimerait bien savoir. Château-Frontenac, on ne peut pas s'en servir. Je vous dirais que dans l'univers, il n'y a pas grand-chose qui est public. Alors, est-ce qu'il y a des choses gratuites? Il y a toujours des droits associés, mais oui, il existe des banques de données d'images gratuites. Est-ce que vous avez des recommandations cet après-midi pour ce qui est gratuit? Oui, je sais qu'il y en a. Oui, quelque part. OK. Merci. Mais habituellement, une des choses, pourquoi on va mettre souvent des hyperliens, habituellement, si c'est un hyperlien qui renvoie au site Internet, où là, l'étudiant sort du livre et va vers le site, bien ça c'est le texte, on ne l'a pas recopié dans le livre, donc ça va. Mais comme on disait, il faut faire aussi attention de ne pas tout repousser vers l'hyperlien, parce que ça fait beaucoup de clics. J'en profite
pour... oui, il y avait une question. Juste une petite question, c'est pour madame. Est-ce que vous pouvez vous nommer? On me demande qui parle. Gabrielle Saint-Yves, Université du Québec à Chicoutimi, linguiste. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander, quatre intervenants qui sont ici, si vous avez d'autres choses à ajouter, des avantages justement dont on n'a pas, peut-être pas encore parlé. Est-ce qu'il y avait un sujet là, qui vous animait? Vous aimeriez faire part, là, aujourd'hui. Ben, en tout cas, moi, ce que je dis souvent là, par rapport aux livres numériques, là, c'est que là, on est dans les premiers pas. On oublie que l'iPad, c'est sorti en 2010. Ça fait partie de nos vies, mais ça fait à peine 3 ans que c'est sur le marché. Alors, bon, quand l'iPad est sorti, ça a pris beaucoup de gens par surprise dans l'industrie. Adobe, c'est une de ces entreprises-là qui a été prise par surprise. Adobe qui fait les logiciels de construction de manuels et puis de mise en page. C'est ça, on est encore dans les premiers pas là, pour pouvoir essayer de développer cette idée-là et puis à quoi ça pourrait ressembler. Alors, moi, je dis souvent à mes amis qui me posent des questions là, sur ce que je fais, je dirais que le désavantage par rapport aux livres numériques, c'est que tout est à inventer. Alors, les outils pour les créer, les outils pour les lire sont pas encore au point où est-ce qu'on espérait qu'ils soient pour l'instant. Mais l'avantage des livres numériques, c'est que tout est à inventer. Alors, c'est le même avantage, dans le fond, que le désavantage, c'est-à-dire que tout ce qu'on a devant soi, là, c'est ce qu'on va y mettre, c'est ce qu'on va créer nous-mêmes. Alors, c'est une belle opportunité là, pour vraiment transformer l'éducation, transformer le partage de connaissances et puis le mettre à notre goût. Il va sans dire que ça a des incidences sur la façon dont les étudiants, ultimement, vont manipuler l'objet, vont apprendre avec cet objet-là. Vous parliez de la fonction recherche tout à l'heure, Mathieu. Ça va avoir des incidences majeures dans les évaluations que les professeurs vont avoir à construire ultimement, j'ai l'impression, parce que si on a le manuel et on cherche automatiquement la réponse dans le manuel, ça a des incidences. Donc, il y a toute une réflexion à faire. Cet après-midi, on va avoir la chance d'avoir des professeurs avec nous, technopédagogues, tout ça, des assistants qui ont élaboré des vrais manuels, des exemples concrets. En terminant, je voudrais quand même qu'on puisse faire une synthèse peut-être des avantages et des limites des deux formats principaux peut-être du PDF, de l'EPUB, parce que c'est tellement, on est dans un univers tellement hétéroclite, c'est difficile de s'y retrouver, quels sont les meilleurs choix à faire, donc peut-être nous résumer un petit peu là, ou avoir vos recommandations, votre son de cloche par rapport à l'offre qui nous est présentement, qui est sur la table, sur le plan des manuels numériques. Les avantages et limites du PDF, par exemple, versus le EPUB. Bien, ce que je dirais, puis je pense que vous en avez parlé, en fait, pour toucher le plus de gens possible présentement, on s'en tient à ça. On sait ce qu'on essaie de faire, donc le PDF vraiment va toucher le plus de gens possible et on a quand même une certaine forme de l'attitude pour ça doit être ça. Et donc ça c'est le PDF qui serait le plus facile puis qui toucherait le plus de gens possible et comme vous l'avez dit ben donc ça serait le choix en tout cas le plus facile pour le moment, mais comme vous l'avez dit, on est en mouvance, ça fait pas 3 ans qu'on est dans ça. Dans 4-5 ans, on va probablement avoir, on espère avoir atteint quelque chose qui va faire qu'on va avoir quelque chose qui va toucher tout le monde et qui sera plus accessible à toutes les tablettes. Là. Bon, pour ma part, ben, c'est ça, je suis d'accord. Effectivement, le PDF actuellement reste ce qui est de plus facile à produire, on peut plus facilement produire autant pour l'imprimer que pour le numérique. À un coût quand même assez accessible, étant donné qu'on peut faire les deux d'un coup, on peut récupérer ce qu'on a déjà de fait. C'est aussi ce qui est à peu près plus compatible actuellement sur les différentes plateformes. Puis aussi, bon, ça a l'avantage, entre autres, pour la mise en page, pour les gens qui accordent un grand intérêt
au design une grande importance, bien, on est certain que ça va conserver exactement la mise en page qu'on a choisie. C'est sûr qu'il y a des avantages naturellement des lecteurs sur, par exemple, iPhone, les petits écrans. On a un format qui est fixe. Donc, l'avantage du e-pub de son côté, c'est qu'on peut l'envoyer sur différentes plateformes. Ça va fonctionner un petit peu partout. Mais encore là, il faut faire le choix d'avoir un petit peu moins une moins belle présentation là, sur différentes plateformes. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne veux pas brusquer personne, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait clore la première table ronde de la journée. Je vais laisser Marie-Michel vous expliquer un petit peu le fonctionnement pour l'heure du dîner, les déplacements, tout ça. Je vous remercie énormément de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour les belles questions. Alors, pour les gens de la web diffusion, on va se retrouver autour de 12h40. Pour les autres, comme je vous disais, il y a Dominique Papin qui va faire la guide dans les souterrains pour vous amener au dîner. Si vous le désirez, il y a également un vestiaire qui est disponible à l'Université du Québec. Donc, il y a possibilité là, d'arriver seulement qu'au premier étage de l'ENAP, traverser. On est la bâtisse voisine de l'Université du Québec. Donc, si vous avez, si vous préférez cette méthode-là, c'est bien aussi. Pour ceux qui avaient souligné des allergies, vous noterez bien sur les boîtes à lunch qu'il y a des étiquettes là, avec votre nom et l'allergie qui est identifiée. Donc, prenez pas celles qui sont identifiées à un autre nom et prenez bien la vôtre. Alors, voilà, Dominique se lève. Donc, pour ceux, prenez le temps d'aller chercher si vous désirez avoir le manteau. Sinon, vous pouvez suivre Dominique à l'Université du Québec. Merci. C'est ça.